Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Réaction, réaction. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juin 2024 où nous réagissons à une actualité qui tente à ne pas disparaître au courant de la semaine passée. Je suis très content parce que vous êtes nombreux à me suivre, mes chers amis. Je suis vraiment... j'ai difficile à exprimer ma joie à voir comment est-ce que vous êtes en train de réagir sur les vidéos que vous ne manquez pas surtout à ouvrir lorsque nous postons. Et là, je demande encore une fois de plus à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner et de toujours, s'il y a un message ou s'il y a des réactions à faire ou des points de vue à faire, de me laisser le message sur la vidéo. Et si bien sûr, je ne ferme pas mon téléphone pour que nous puissions discuter avec vous. Nous réagissons à quoi aujourd'hui? Nous réagissons sur une actualité qui ne veut pas disparaître au courant de la semaine. C'est le poste de l'opposition. Il y a une certaine guéguerre entre les partis politiques qui se disent d'opposition. D'autres personnes... ne trouve pas, et donc ils ne voient pas de bon œil les autres se targuer ce poste-là de leader d'opposition. Alors, on se limite par ce que nous appelons la guerre de, comme je disais, de plein. Ba guerre à ba plein. Ba politicien oyo, ba komine si koyo kota la ke non naninda za populaire et tout ça. Donc l'opposition finalement en République démocratique du Congo, nous allons dans la popularité. Qui est populaire plus que l'autre? Qui est celui qui a une grande visibilité? Qui a beaucoup de membres? Qui ceci? Et tout ça, c'est ce que je pense, qui nous met encore à être derrière toute chose. Donc nous sommes là en train de nous battre pour des futilités. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas être le leader de l'opposition parce qu'il n'est pas connu ou bien il n'a pas de foule, il n'a pas d'ancrage dans la population. Est-ce que c'est cela qui doit nous préoccuper vraiment? Est-ce que c'est cela qui doit nous préoccuper? Moi, je vais vous dire une chose. Cette histoire de leader de l'opposition, c'est un poste qui est effectivement constitutionnel. C'est un poste qui est constitutionnel, donc elle est prévue dans notre constitution. Mais nous nous battons pour ce poste-là. Mais depuis que nous avons des élections, nous sommes, je crois, à la quatrième mandature aujourd'hui, troisième, si pas le troisième, je peux me tromper. Donc de 2006 à 2011, ça c'était le premier. Le 2011 à 2018, hein, parce que ça devrait être 5 ans, mais à 2018, Kabila a eu 2 mandats. Et au courant de ces 2 mandats-là, au Parlement, je n'ai jamais entendu parler qu'on avait avait tenu compte de cette opposition-là en nommant ou bien en désignant un leader de l'opposition. Ça n'a jamais été dans les 2 mandatures. Et même dans la mandature de Félix Tshisekedi, nous n'avons jamais eu quelqu'un qui devrait représenter, qui était le chef de file de l'opposition. Il y a eu toujours... de cette cacophonie, cette guéguerre qui est, finalement, ce poste-là est demeuré vacant. Parce que moi, à ma connaissance plutôt, je n'ai jamais je n'ai jamais vu qui on avait, ou bien l'opposition avait désigné comme chef de file de l'opposition. Même en 2011, lorsque Félix Tshisekedi perdait les élections, celui que nous disions qu'il était le champion ou bien le père de l'opposition, il n'a jamais occupé ce poste-là, peut-être clandestinement, parce qu'on disait que Tshisekedi obtenait l'argent à partir du Parlement. Ça ne vient pas de moi, vous savez de qui ces propos-là arrivent et étaient venus. On disait que non, Félix Azouakamouala Arnae, Abenda Kambongo Nae. Abenda Kambongo Wana en tant que qui? Est-ce que c'était c'est quelqu'un qui était reconnu comme leader d'opposition? Donc ce n'était pas quelqu'un qui était reconnu comme ça officiellement, parce que
En 2011, il avait toujours à revendiquer la vérité des urnes. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous retournons toujours dans la même roue où les choses, on n'arrive pas à nous en sortir de cette histoire-là des leaders de l'opposition. Mais au fait, qui est le leader de l'opposition? Aujourd'hui, il y a quelque part où on dit que l'opposition est athée dans la République démocratique du Congo. Maintenant, là, opposition en Gwezate, c'est-à-dire que Batoba s'oppose à Kananini, on s'oppose à quoi? Est-ce que l'opposition, ça signifie ne pas gagner les élections? Donc si vous ne gagnez pas les élections directement, vous passez à l'opposition. Mais pourtant, en République démocratique du Congo, on dit que le chef de file de l'opposition peut ne pas venir du Parlement. Bah député au Bazala qui n'a parlement au Bazala qu'on a de côté qu'on a tozali, là nous sommes maintenant dans la configuration de l'État du parlement, la configuration du parlement. Nous sommes dans cette institution là, mais on dit ceci dans cette institution là, on dit que le chef de file de l'opposition peut ne pas être un parlementaire. Ça c'est la loi de 2006 qui a été mise en exécution pendant en 2017. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que non, le chef de file de l'opposition, c'est un poste nouveau ou quoi que ce soit. Non, il y a des choses qui doivent être prises en compte. Pourquoi? Parce que le chef de file de l'opposition, c'est un poste où l'opposition s'organise et se disent, bon, ok, nous allons, c'est notre chef, c'est celui-ci. Mais depuis 2015, depuis 2006, cette opposition n'arrive même pas à se mettre ensemble. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'opposition n'existe pas pendant les trois mandats que nous venons d'avoir après l'adoption de notre constitution. Nous n'avons jamais eu officiellement une opposition qui s'organise en disant nous allons nous mettre derrière telle personne. Cette loi n'a jamais été exécutée. Il y a toujours, dans toutes les trois mandatures, il y a toujours des choses qui ont empêché à ce que l'opposition s'organise. Et c'est cela quoi? Nous pouvons donner cette méfiance ou bien cette lacune à nous-mêmes, peuple congolais, parce que nous ne nous entendons pas. Toyo kanakate bandeko. Toyo kanakate zalaka toujours à ba intérêt. Oh non, ça c'est notre temps. Intérêt na biso tozala ki boe. Et puis finalement, kakofonio na zalaka perdire une année, deux ans, trois ans, mandature pesili. Toko miko préparer sous ba élection. Toko miko kende. Moi je me réfère toujours à 2006. Nandengeni, 2006. Lorsque on disait, bon, ok, il y aura quelqu'un qui... Parce que c'est ça la loi de la démocratie. Nous devons avoir une certaine opposition. Mais nous allons nous opposer à quoi? Nous ne nous opposons pas aux hommes. Ce n'est pas que parce que Nazako Finga Tshisekedi n'est pas aux opposants. Non, c'est parce que je crois que c'est ça maintenant que le règlement d'ordre intérieur, toute cette organisation de l'opposition-là, vous n'allez pas demander au pouvoir de vous organiser, vous, de l'opposition. C'est la même question que l'UDPS avait fait face en 2006, avait fait face en 2011, et maintenant, en 2017, en 2018, il n'avait pas aussi de solution, Bande Konangaï. UDPS a zalaka na solution, t'es pour n'aller comme opposition, parce que c'est un contrepoids. L'opposition joue le rôle d'un contrepoids au pouvoir. C'est comme ça que ça se trouve, ça va s'opérer dans la démocratie. Mais si vous n'avez pas cette position-là au sein du Parlement, et qu'on a la monotonie, donc, et qu'on a la nette parti unique, comme ce que nous avons aujourd'hui, 477, ceux qui 470 députés, Oyo Bazana na coloration moko. Ceux qui 20 députés, on a seconde pour ça l'opposition à Nigeni. Et donc, moi, je ne trouve pas aujourd'hui comment si quelqu'un va dire que non, il faut que nous siégeons comme ensemble est en train de dire que non, à Benga Kibaninga Boya, Awa, Bosel Dine,
devant Gaï. Et puis moi, j'ai entendu les gens d'ensemble qui se disent que c'est une opportunité pour eux d'aller dans le, dans cette, d'occuper ce poste-là de leader de l'opposition. Ça servira à quoi dans ce Parlement qui est monocolore, qui est tous 470 députés derrière Tshisekedi? Vous allez faire quoi? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Beaucoup de gens qui sont, se disent opposants, les sont-ils vraiment? Les sont-ils vraiment? Parce que d'autres personnes se disent que non, nous sommes des résistants, des résistants, nous n'avons pas accepté les élections qui ont eu lieu, et donc nous ne pouvons pas aller dans les institutions. Ensemble a participé aux élections. Les Délices Sanga ont participé. Les Franck Diongo, tous ces gens, ce beau monde qui ont constitué un front commun. Je crois qu'il était maintenant question à ce que, ils étaient derrière Katumbi pour que Baba gagne l'élection. Malheureusement, les élections ont été ce qu'elles ont été, mais beaucoup d'entre eux ne reconnaissent pas que ces élections-là aient eu lieu. Pourquoi? Parce qu'on les traite, on traite ces élections-là des simulacres. Des simulacres des élections. Alors, quelle est ma réflexion aujourd'hui, Bandeko? Moi, je pense qu'il y a quelque chose que nous devons savoir, que Mbokanabiso Toza déjà dans une, Toza déjà na babilo komoko oeza malamute. C'est-à-dire que nous sommes mal partis. Et donc, Mzela Otozui et qu'on permettre Biso opposition wana et s'organiser, ça ne se permettra pas. Pourquoi? Les élections de 2006, nous les avons contestées. Les deux élections de 2011, nous avions dit qu'il y avait tricherie. Les deux élections de 2018, nous avions dit que Ezalaki kaka passation de pouvoir Kabila ayokana kina Félix pour apesa le pouvoir. Mais maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que maintenant c'est cette opposition-là pourra être organisée dans cet environnement où presque tout, donc le bateau n'y a surtout basé derrière Mutumoko, opposition est comme ça la ligne. Et donc c'est cela que moi j'ai dit, que nous sommes très très mal partis. Yakobanda Koloba, que non, opposition, tout organisé opposition. Nous devons faire plutôt quoi? C'est ce que j'ai dit toujours à Contact Pro Live ici. Nous ne venons pas ici pour juste pérorer, mais nous venons donner une solution. Mes chers amis, Ngana Bandaki Koebi Sabino, que tant que nous n'allons pas passer à la 4e République, makambu mususu nyoso tu wana kokende et tokoko makana solution à malamouté. C'est-à-dire que moi je pense quoi? Je pense que pour l'instant, biloko nyoso ezali mabe. Moi je ne vois pas aucun ici avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous devons faire encore reconstruire un nouveau Congo. Donc tokoko makuna ndengenini. Moi je pense que aujourd'hui, il faut que Totikana no babilo konyo sotu ezali, focalisons-nous. C'est ce que j'ai même conseillé au président de la République, Yakoloba. Gouvernement Oyo Tshisika Oyo. Moi, je pense que le plan était de la reconstruction du pays, proclamation d'un 4e République. Tozo attend Yako préparer 4e République wana. De façon quoi? De façon Yako meka ko tiaba Congolais nyo sotu ensemble, Toyo kanana no pomboka oeza mboka na biso. Il y a moyen de le faire. On va le faire comment? On va le faire comment? C'est ici que nous prenons la proclamation d'une conférence ou bien d'un dialogue congolais-congolaise. C'est-à-dire que nous devons dialoguer entre nous. Ce dialogue dont je parle, ce n'est pas le dialogue que nous avons appelé certaines personnes, Bato, Baye, Awa, Bafandi, Basali, dialogue, Tosali, gouvernement d'Union nationale, T. Gouvernement Oyo, il faut préparer dialogue intercongolais à solo. Dialogue en intercongolais à solo, ezanini. Biso ana contact pro life tozolo ba dialogue en à solo, ezali ko bengisa ba état des lieux de chaque territoire. Chaque territoire ba tu Oyo bazana katia ba territoire wana ba kende ba solo la. To solo la mboka, comme que nous puissions voir ce que nous avons dans nos territoires, dans chaque territoire, qui est un dialogue qui réunit tous les enfants de ce territoire-là. Et ils vont discuter sur quoi? Ils vont discuter sur toute la matière de la nouvelle constitution. Ça, c'est ce que je dis
Oh, on a des proposé à Wanalobia. Dialogue, oh, on a notre salaire en moté. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la constitution de la 4e République. Et en même temps, cette dialogue-là, oh, bah, élément à dialogue, on a battu, moi, je me dis, 300 personnes qui se réuniront dans les territoires devront en principe être responsables de l'identification de la population. C'est là où moi je me dis que ce qui peut sauver notre pays. Batouana, bat dialogue autozako proposé awa. C'est-à-dire que nous allons convoquer les assises qui prépareront la 4e République. Tout le monde qui a des histoires comme ça, autozabo et dikamunini, que ça aille se traiter au niveau des territoires, batoukuna na territoire, bayebani. Les gens se connaissent dans les territoires. On peut facilement réunir 300 personnes autour d'une table. Dans chaque territoire, ils se connaissent. Na côté où batuba simba mandoki, batuana pe il faut qu'on benga bango batu parce que moi je me dis les rébellions. Moussa en avait dit que non. Batua est botika kokota na botika makambo ya rébellion kuna. Et qu'on peut sabatu responsabilité et qu'on zonge la bango moko. Les gens seront responsables en se disant toti kana nous kobomana awa et pas na biso toza nini. On nous a donné cette opportunité là de causer et de penser comment est-ce que nous pourrons reconstruire une 4e République et comment nous allons y arriver. C'est ça le problème que moi je me dis la solution qui peuvent nous sauver aujourd'hui. C'est-à-dire que prenons ce temps là à ta 2 ans, oh, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir combien ça peut durer comme temps. Moi je me suis dit nous ne sommes pas pressés. C'est question de préparer l'avenir de notre pays. Si ça va nous prendre 1 année, autant mieux. C'est comme ça que je me suis dit, conseil nanga na président de la République Ezalike, gouvernement oyo est s'occupé kakana dialogue intercongolais à préparer 4e République. 4e République, en moto kende batouba solo la bien, que ça soit dans les 145 territoires, batouna batouna katia ba territoire ba solo li na ba thématique nyoso. Il y a que peut avoir une constitution. Tolobani na nationalité, responsabilité, sécurité, toutes ces histoires là devront être ébauchées ou bien basa la yango na katia ba territoire. Alors, à un certain moment, sans que toko sirisa, ba résultat à chaque territoire toko memango na province. Alors, chaque territoire est kotinda, batua mayele, ba accompagner texte na bango kuna, na katia province, poto harmoniser, ba texte na biso, oe utaki na chaque territoire. Pendant ce temps, ceux qui seront envoyés, ba kozalaneti parlement provincial, pona ko harmoniser, ba point de vue, oe outi na chaque territoire, na katia province, wana ba zupe texte moko, ainsi tous les 26 provinces. Il viendra avec des textes qui seront traités maintenant comme une nouvelle assemblée ya Congo ya Sika otozako préparé. Et là, vous allez voir que batutangu bayokana ki na ba province kuna tokoya ko na ba territoire makamwana et memami ti na niveau national où nous aurons à harmoniser nos textes. C'est par là qu'interviendra les juristes, c'est par là qu'interviendra les gens qui mettront en forme cette nouvelle constitution qui passera notamment au référendum. Après référendum, wana référendum wana ekoya kokoma parce que na tangu déjà na batubaza na kati ya province wana parmi les 300 personnes là, nous aurons à organiser déjà les ce que j'appelle ici le recensement et l'identification de Congolais dans chaque territoire. Chaque territoire est quoi kolobake biso ana territoire par exemple ya Lubero toza batu toza 4 millions de personnes ou bien toza 350 000 personnes. Chaque territoire est koyé na ba résultat na yango et ils seront responsables à koloba biso tondimi ke mutu oza congolais ou mutu oza congolais oza na. Cela tera le problème de ce que nous appelons les infiltrés à l'est de la République démocratique du Congo. Mais lorsque ces gens-là, nous ne les reconnaissons pas au niveau national, to komi na cacophonie batu o alobi boy, bino mozala ba congolais te bino. Qui vous a dit que vous n'êtes pas congolais? Le problème, on en a nous te résolver en côté. Donc, pendant que ma solo kobanda ko continuer ti na niveau ba province, ti na niveau national, au niveau des territoires et loko kotika la kosalema, ça sera quelque chose d'identification batubayo kani, batubandimi, batubakoti na système to sali listing
y a batu nyonso auto accepté comme ba congolais na katia territoire na biso. C'est après, avant le référendum, maintenant, après que nous connaissions les chiffres et que moutou na moutou, azana identité na ya sala formulaire na ya, que nous pourrons maintenant concevoir une carte d'identité nationale que nous pourrons maintenant commencer à donner aux personnes. Comme ça, ces gens-là seront listés. Donc, comment on a que database n'a bien que Banda Kozala bien. Et puis, la fois prochaine, non, la semaine prochaine, ne manquez pas parce que je vais vous expliquer comment est-ce que nous pouvons faire une identification. Il y a Malam ou Oyo, Tokoki Koko Tonga Sikoyo, Nanyuana Yaba Congolais Nyonso, listing Yaba Congolais Nyonso. Dans notre pays, par exemple, ici, en Afrique du Sud, nous avons le répertoire de tous citoyens. Batounio Sobaza na liste nationale, Babengango liste nationale de Sud-Africains. Donc, vous voyez que c'est pas un miracle, Batounio Sobaza la yango. Et c'est ça le chemin que moi je me dis. À ce moment-là, les gens vont être responsables. Bakoloba, ah, et pas Nabiso. Par exemple, on est autorité Nabiso, autotier, ah, Abiso, ton dimiamo. Les 300 personnes aussi seront désignées dans les tribus parce que toi, yébani kuna na kati. Tout le monde est dans le territoire de Nabiso. Et là, il y a des gens qui ont dit que non, ils ont été en train de se faire en Congolais et ils ont été en Kinshasa. C'est là où on a conçu cette cacophonie qui nous divise jusqu'aujourd'hui. Bandeko, avant que tu dises ça, ceux qui ont lingué l'émission, tu as moi like. Si tu me suis pour la première fois, abonnez-vous parce que nous avons besoin de vos abonnements. Bozomo na ndenge masolango tozo memango malembe malembe poto expliquer bino notre point de vue. Et alors, soutien à bino ezali pona ko s'abonner tout simplement. C'est ça que j'attends de votre soutien. Donc si je quand je vois que vous vous abonnez nombreux, je sais que vous êtes en train de me soutenir. Quand vous laissez des messages na en tout cas wana bozo tianga poa. Na sengi na bino ba o bazana no abonné te pardon bo s'abonner pour que ba émission na biso ezwa ka ba visibilité à malamu. Et puis c'est cette idée ici de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base que nous voulons à ce que ezala maintenant une idée vraiment de masse pour que quelqu'un qui a un pouvoir, même si c'est Félix Tshisekedi qui nous suivra et qui pourra se dire que non idée o ezala malamu, ça peut sauver tout le monde, ça peut sauver notre pays. Tout le monde cherche à apporter sa pierre. Ça, c'est ma pierre. Si cette pierre peut reconstruire le Congo, moi, je serai content si je pars demain ou après-demain. Je serai content que Totikeli Mboka Nabiso, Bana Nabiso, Mboka Oyo, tout le monde se reconnaît. Toyebi, Nanyazo Salanini, Kimoyi Biesili. Et ce schéma ici, je continue à l'expliquer. C'est pour cela que je vous demande de vous abonner vraiment nombreux. Merci beaucoup, donc bon dimanche pour ceux qui me suivent ce dimanche et bon début de la semaine pour ceux qui me suivent pour le lundi qui est du 24. Donc le lundi, ce sera le 24. Au revoir et portez-vous bien. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro.